est prêt à sauver Oroa ? Fox a reçu un fichier de son contact. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça pourrait être utile. Qu'est-ce que c'est ? Lancez l'enregistrement. Évitez les ennuis. Comme toujours, nomade.
cherche. Je quadrille la zone. Toi, tu m'as l'air bien énervé. Tu voulais fuir quelqu'un ou tu cherchais quelqu'un? Marre-toi tant que tu peux. T'as déjà eu affaire à cet enfoiré de Walker? Il y a quelques semaines, il a chopé plusieurs d'entre nous qui enfreignaient les règles. Vous me dites si vous la connaissez. C'est le petit chaperon rouge qui part dans la forêt. Sauf que cette fois... elle a lu le conte de fées. Et elle se trimballe un énorme calibre. Donc elle va chez le grand. Et forcément, le grand méchant loup lui tombe dessus. Et là, il fait « Je te tiens et je vais te baiser toute la nuit. » Ah oui, ça je me doute. Alors le petit chaperon rouge sort son flingue. Elle relève sa jupe et elle fait « Que dalle. Toi, tu vas me bouffer, comme dans le conte de fées. » Putain de merde. Garde à vous. On rigole bien? Les Wolves, hein? L'élite, la crème de la crème. Et vous voilà, ivre mort, en train de fraterniser avec des civils. Et toi, la misérable sac à foutre, tu viens de laisser cette fille te prendre ton arme. On voulait... on se détend un peu, chef. C'est pas vrai. Ah bon? Pardon, alors. Pardon de vous empêcher de vous détendre un peu. Et le pistolet est pas chargé, chef. Je vais vous dire, il m'a l'air parfaitement chargé, ce feu. Vous croyez quoi? Vous croyez faire partie de mes Wolves? Vous croyez avoir votre place sur mon champ de bataille? Eh ben, prouvez-le. Prouvez-le. Allez-y. Yeah.
Moi qui me croyais rapide. J'ai jamais vu un type courir aussi vite. Si je m'étais pas enfui, je serais mort. Il a tué les autres. Hein ? Le protocole, c'est pas son truc. Non, en effet. Il a changé de plan qu'après ce petit incident. Walker est un type qui se fait une idée très précise du soldat américain. Avec lui, on n'est plus à sa près. C'est quoi le plan de Walker ? Si tu veux des réponses, va dans la base opérationnelle des Walls. Shark Base, qu'on l'appelle. Elle est au sud. Je te dis ça pour éviter à mes amis de devoir te traquer. Bonne mort à toi.
Visuel. Cible marquée. J'ai blessé une cible. Neutralisation. La cible est à couvert. Thank you.
perdue. Cible perdue. Faut qu'on la retrouve. Cible localisée.
cible. Je passe en interception. Empêchez-les de bouger. J'intercepte. Qu'est-ce que Walker veut foutre d'un sous-marin ? Je continue.
Hey Einstein, vous étiez pas au courant pour le sous-marin de Walker? Un sous-marin? Sale nouvelle. Fox m'a filé un fichier de son contact. Nom de code, Lynchpin. Je commence à avoir très envie de savoir qui est son informateur. Le fichier analyse les répercussions en cas d'assassinat de divers hommes politiques ou de désastres dans certaines zones. La première étape de son plan, c'est de lancer vos drones avec ce sous-marin. Ensuite, de laisser les drones létaux faire leur travail. C'est ça son objectif. Je ne mesurais pas l'ampleur de ses projets. Je pensais qu'il visait l'échelle nationale, pas mondiale. Et tout ça à cause de mon travail. Hé, hey Einstein, vous vouliez bien faire. J'ai pavé l'enfer de mes bonnes intentions. On a le programme. On peut peut-être encore arrêter le sous-marin avant qu'il soit trop éloigné. Mais pour ça, il faut pouvoir télécharger le virus. Avec le contact de Fox, on sait qu'il dispose d'un accès. Il faut qu'il nous le présente. Je ne sais pas où Fox est passé, mais j'ai trouvé cette vidéo sur son ordinateur, et je crois savoir qui l'a envoyée. Mademoiselle Purie, vous devez avoir une idée de l'endroit où Monsieur Skell a bien pu passer. Je peux vous assurer, Monsieur Stone, que je n'en sais rien. Cet archipel est très vaste. Il a beaucoup d'amis. Il aurait pu aller n'importe où. Ces amis, ce sont les vôtres ? Bonjour, colonel. Cole. Mademoiselle Purie était justement en train d'expliquer que pour trouver Jay Skell, nous allons devoir opérer des descentes à l'improviste parmi la populace locale. Une mission taillée pour vous. Vous savez quel est votre problème, Stone? Vous manquez d'élégance. Alors, faites-nous donc profiter de votre génie militaire. Comment appréhender Chase Skell? Pourquoi pas un peu de guerre psychologique? Mademoiselle pourra même vous aider, Et quand quelqu'un vous livrera Chase Skell, vos gentils vigiles n'auront qu'à le payer. Est-ce que ça vous paraît être dans vos cordes, Stone? Soignez notre image de marque. Excellente approche. Et on dit que c'est Jay Skell le génie. Très bien, colonel. Je m'occupe du reste. Ouais. Ah, Yana, vous êtes sur la corde raide. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Non. À un moment ou à un autre, vous allez devoir choisir entre l'amitié et la survie. Et franchement, je meurs d'envie de savoir ce que vous allez choisir. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Vous dites savoir qui l'a envoyé? Mais à Yana Purie, bien sûr. Elle a essayé d'être discrète, compte de messagerie secret, expéditeur chiffré, tout ça. C'était attendrissant. Ayana n'a jamais été très calée en cryptosécurité.
elle, le contact qui nous envoie ses vidéos depuis le début. Elle essaie de nous aider de l'intérieur. J'aurais dû lui faire confiance. Fox et elle sont très proches. Il a protégé son identité. Elle est en danger. Et Fox essaie de l'aider. Il savait qu'on ne lui faisait pas confiance. Oh, Fox. Il court droit au suicide. Fox a dû aller chercher Ayana chez Scale Invest. Je dois suivre Fox et les sauver tous les deux. Vous continuez à plancher sur ce virus. Le temps joue contre nous. Dites-moi ce que vous savez sur Miles, vu que je ne l'ai jamais rencontré officiellement. Vous voyez ces gens qui sont partout et qui connaissent tout le monde? Miles était comme ça. Il faisait beaucoup de présentations? Il faisait toutes les présentations. Il m'a présenté à un réseau de nouvelles personnes, et je les ai toutes engagées dans mon équipe. Le genre de contact avec le gouvernement qu'un entrepreneur adorerait avoir. Je ne suis pas idiot. Je savais qu'il avait ses propres objectifs, mais je n'imaginais pas que ça incluait de prendre le contrôle de ma société. Et à partir de quel moment vous avez cessé de faire partie du plan de Stone et Walker? Je vous l'ai dit, ils m'ont pris ma société. Donc vous vous êtes enfui? Ils étaient censés faire des essais avec les drones mortels dans le désert du Thar, au Rajasthan. Au lieu de ça, ils testaient leur modèle pilier. C'est quoi un modèle pilier? Leur idée, c'est qu'en tuant un individu clé, un pilier, ça déclenchera une série d'événements qui mènera à l'issue désirée. Comme l'assassinat de François Ferdinand a déclenché la Première Guerre mondiale. Ils voulaient créer des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Les modèles étaient défectueux, mais ça a presque fonctionné. J'ai essayé de les arrêter. C'est pour ça qu'ils ont pris le contrôle et que j'ai dû m'enfuir. Pourquoi ils ont envoyé ces drones dans un sous-marin? Il y en a combien là-dedans? Des dizaines, des centaines. Ils préparent forcément un gros coup. Avec quelques drones et des algorithmes efficaces, ils pourraient déclencher une guerre dans n'importe quelle zone politiquement instable. La question, c'est pourquoi déclencher une guerre ou amorcer des événements qui provoqueraient une série de guerres? C'est trop gros. Miles peut pas être la seule personne de la CIA à être impliquée. Ni la seule personne du gouvernement, d'ailleurs. Ça concerne probablement plusieurs gouvernements. Trop d'innocents vont mourir. On va pas les laisser faire. On ne peut pas les laisser faire. Évitez les ennuis. Comme toujours, Nomade. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Les Schmitz est vraiment... À la prochaine.
Faites attention à vous. Oui, madame. Il va me falloir de meilleures armes que ça pour m'attaquer à ce sentinelle et à ces drones. Ouais, nous aussi on aimerait bien avoir des armes capables d'abattre ces drones. Mais non, on n'a pas le type de matériel que vous cherchez. Bon, je vais devoir me fournir directement chez Sentinelle. C'est la manière la plus directe. Mais il y a peut-être un autre moyen. On a des artisans très talentueux ici, vous savez. Ils devraient pouvoir vous fabriquer des trucs. Par contre, ils auront besoin des plans de ce que vous voulez créer. Où est-ce que je peux trouver des plans ? Eh bien, Sentinelle a ses propres schémas. Ils ont des plans pour toutes les armes possibles et imaginables. Ils utilisent les machines de Skelltech pour fabriquer tout ce dont ils ont besoin. Vous en trouverez dans n'importe quel endroit protégé par Sentinelle ou par les Wolves. Fouillez toutes les caisses militaires que vous trouverez. Ça m'a l'air prometteur. J'ouvrirai l'œil. J'hallucine. T'es encore au plumard. Va chier. Tu t'en remettras, papy. Les choses ont un peu dégénéré, hein? On peut dire ça. Je vais te dire, ça fait un bail que je suis dans le métier, tu vois. Mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Au final, si on n'arrive pas à suivre la technologie, c'est elle qui s'occupera de nous. D'une manière ou d'une autre. Bon, on est vraiment dans la merde maintenant. Sans déconner. Eh ben merci du renseignement, heureusement que t'es là. Walker a chargé des drones dans un sous-marin pour les déployer dans l'eau. Un sous-marin ? Et il est où maintenant ? Il est parti. Il est parti. T'as bien conscience qu'on doit l'arrêter ? Évidemment, putain. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Et puis, il y a Walker. Écoute, je sais que t'as pas envie de l'entendre, mais il faut s'en débarrasser. Ce mec aux commandes d'une armée de drones, c'est flippant. Ouais, je sais. Je sais. À plus, mec. À plus. On dirait qu'Oroa est le point de départ d'un beau merdier. Qu'est-ce qui se passera quand le reste du monde s'en apercevra? Ils frapperont cette île avec tout ce qu'ils peuvent. Raison de plus pour qu'on s'assure qu'ils n'arrivent pas à leur fin. Tu crois qu'on a une chance si ça arrive? Aucune idée. Mais faisons en sorte de ne pas en arriver là. Allez, à plus tard. Salut.